Les amis, aujourd'hui on va pouvoir découvrir en animation la mort de Peter Jiggle. Ceux qui ont suivi et découvert le chapitre 7 de Garten avec moi, vous savez qu'à un moment donné, malheureusement, Peter Jiggle meurt. Et bah ici, c'est une animation qui va nous remontrer la mort de Peter Jiggle, mais je pense de manière très différente. Donc on va aller découvrir tout ça, on y va. Donc c'est parti, let's go. Pourquoi Peter Jiggle, là, il a pas les mêmes couleurs que d'habitude? Hey, laissez-moi sortir d'ici. Je plaisantais, hein. Alors si jamais c'est SM2 qui a fait l'animation. Détends-toi, bébé. Alors, je vais te transformer en quelque chose de vraiment cool et de magnifique. Wow. Donc ce serait Sir Laladou qui transformerait, je pense, Peter Jiggle en Evil Peter Jiggle. C'est assez logique vu que c'est Sir Laladou qui avait créé une sorte d'armée avec les personnages en les possédant. Bien, c'est vivant, il est vivant. Quel gros taré, Sir Laladou. Oh, qui est là? What? Alors, on a le vrai Peter Jiggle avec Nam Nam et Batman. Qu'est-ce qui se passe ici? Attends, mais qu'est-ce que t'as fait à mon frère? Ah, c'est son frère, ok. Wow, oh, il est tellement stylé. J'aime bien là les petites lumières et tout, ça rend trop bien. Et attends, mais j'ai sûr, là, alors, qui est ce mec que j'ai transformé là plutôt? Ah, ça? Ah, c'est une longue histoire. Eh, les gars, écoutez. C'est une blague que je viens d'inventer. Pourquoi est-ce que les squelettes ne se battent jamais? Je ne sais pas, Jack. Parce que ils n'ont pas de quoi? J'ai pas compris. Sérieusement? C'est tout? T'es vraiment un bouffon terrible. Peut-être que tu devrais laisser la comédie aux professionnels, hein? Ouais, des pros, hein? Comme ton frère. Oula, je pense qu'il va pas apprécier qu'on lui dise ça. Hein? Mon frère? Mais quel frère? Je voulais dire ton jumeau. Enfin, non, je voulais dire Grimace. Enfin, en fait, tant pis. C'est quoi, je dois y aller, hein? Qu'est-ce qui manigance là, hein? Il y a quelque chose de très louche ici. Je dois aller voir la chambre de Siren John, dans la pièce de Siren John. Ok, voyons voir. Oh, donc c'est son fameux frère, mais il avait pas les mêmes couleurs. Oh mon dieu, c'est mon frère. Oh, salut mon petit frère. Je suis ton frère jumeau. Et si tu veux me laisser sortir, hein, mec. Ouais, bien sûr. Allez, accroche-toi, mon pote. Ok, donc là il libère son frère, mais son frère n'est pas vraiment son frère, j'ai l'impression, vu qu'il vient de le bousculer sans aucun scrupule. Et attends, j'ai quelques questions à te poser, Eh, attends une minute s'il te plaît. En fait, je pense que c'est vraiment le frère démoniaque de Peter Jiggle, tu vois. Oh, et ben là il y a Siren John et je pense qu'il va capter. Bah, qu'on l'a libéré, ce qu'il ne fallait pas libérer. Wow, attends, il l'a intercepté là, en plein vol en plus. Hey, pourquoi est-ce que t'as été dans ma chambre, hein? Et t'as libéré en plus Grimace tout seul? Non, mais je devais juste demander pourquoi est-ce que t'avais enfermé mon frère en premier, hein? Ah. Ok, bien. Bon, voici le deal. Tu vois, toi et ton frère, vous êtes nés coincés ensemble dans un seul corps. Il y en a un qui était stupide, et Grimace, lui, il a montré sa vraie nature maléfique dès son plus jeune âge. Ok, donc il a décidé, je pense, de lui-même de les séparer. Donc j'avais pas d'autre choix que de vous séparer. Donc il y avait un bon et un méchant, en gros. L'opération a fonctionné. Vous avez été renvoyé au jardin pour enfants, enfin, Garten Ban-Ban. Et le plus sinistre a dû être mis en cage. Pour garder tout le monde en sécurité. Mais ce grimace signifie que maintenant on va avoir des ennuis. Aïe, maintenant qu'il est libre, en gros. Ouais, bien sûr. Alors traquons-le, hein. La tête de Nam Nam, ça me termine. On dirait même pas Nam Nam, on dirait Nom Nom limite. Et donc voilà le sacré fêtard avec ses blagues, hein. Alors t'as une nouvelle blague à nous raconter? Non, pas de blague. Quoique, il y a quelque chose de coincé là. What? Attends, c'est une farce ou pas? Je pense que c'est une farce. Oui, regardez. Hop là, tache pistache. Le fameux tache pistache qu'on connaît bien là. Mon nez. Je sais que vous avez déjà eu quelqu'un qui vous a fait ça, c'est sûr, certain. Ah, mais Nam Nam, il rigole, hein. Attends qu'il se fasse pranker aussi. Ah, c'est la première fois que tu me fais rire, mon pote. Hey, est-ce que tu dirais de... Allez, bouffe. Bouffe, Nam Nam. Plaquage. Enfin, Nam Nam. Nam Nam. Hey, pas de combat dans la ville de City John, ok? Hein? Non, mais j'entends rien du tout. Qu'est-ce que quelqu'un dit quelque chose? Oh, attends. Mais je savais pas que tu étais le shérif. Hey, vas-y, rends-moi ça. Mais personne ne touche à mon badge. Tiens, prends ça. Il a crevé l'œil. Non, mais c'est trop là. Hey, les animations des SM2, ça devient violent là. Allez, on se revoit plus tard, hein, loser. Je suis vraiment trop amusé aujourd'hui avec tout le monde. Oh. Ouh. Hey, salut mon pote. Les égouts, c'est par là. Ah, sur la Nadou, le problème, c'est que lui, il est pas d'humeur à rigoler ou à se laisser faire. Oh oui, d'accord. Il l'a chopé au calme. Si tu le demandes. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire, hein? Ah ouais, je sais.
Je vais en faire une chose, une expérience très intéressante. Mais oui, il l'a d'abord en fait capturé, c'est ensuite qu'il l'a transformé en pensant que c'était Peter Jiggle. Oh non, c'est Grimace qui vous a fait ça, enfin Grim. Ouais, c'est lui. C'est le moment de régler les comptes maintenant. Eh mais les gars, moi je n'ai rien fait du tout moi. Eh allez-y doucement les gars. Le vrai perturbateur, ce n'est pas Jester. C'est Grimace, le frère jumeau maléfique de Jester. Hein? Mais où est-ce qu'il est, hein? Je dois l'attraper pour récupérer mon AU. Ok. Eh ben voici le plan alors. Banban et Namnam, vous allez trouver Grim. Et moi je vais rester ici et me rafistoler. Enfin rafistoler l'œil du shérif. Ok Siren John, on y va. Regarde. Tiens, hop. Oh. Quel est le plan maintenant, hein vieil homme? S'il te plaît, ne me dis pas que nous allons nous transformer en des monstres. Timing parfait. Hey Jester, voyons voir ce que tu peux faire face à ton frère. Waouh, là il envoie son soldat là, qui est tellement stylé là. Le fameux frère ultra stylé, celui qu'on a eu dans Garten 7, hein. Mais comment est-ce qu'ils vont réussir à sortir? Après, ils sont trois. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, hein? Si je racontais une blague, peut-être que ça va le distraire et le faire rire au lieu de nous attaquer, non? Non, tes blagues sont tellement nulles. Moi, j'ai une meilleure idée, regarde. Ah ouais, il veut faire quoi, l'amnam, là? Ah, attends, bah, il roule sur les murs, déjà. Ah, désolé, les gars. Ah, il veut juste se planquer. Ah, le salaud. Il s'est planqué, en fait, pour juste laisser ses potes crever. Non, c'est trop. Les gars, n'approche plus, l'amnam. Dépêche-toi, aide-nous, s'il te plaît. À moins qu'ils veuillent le chasser d'en haut. Ah, désolé. Si vous ne pouvez pas grimper, alors vous êtes fichu. Non, mais Namnam, c'est le pire pote à avoir. Oh. Ah, tiens, prends ça. Wow. Ok, bah, bien essayé le lancer de sang. Mais c'est Namnam. Ah, mais ouais, c'est Andor. Donc, s'ils avaient réussi à toucher le Evil Jester. Oh, quoique, non, c'était fait exprès. Ils ont transformé Namnam pour avoir le Big Namnam qu'on avait vu aussi dans Garten of Batman 6. Incroyable. Et donc là, il a pu KO direct. Le frère jumeau de Jester, je vais y arriver. Hein? Ça finit comme ça? Ok, ça finit comme ça, les amis. C'est vrai qu'ici, les histoires sont beaucoup plus courtes. Il y en a plein d'autres. Enfin, le problème, c'est que si on veut vraiment voir l'histoire qui nous intéresse, il faut la regarder, mais c'est toujours compris dans des compilations. Mais vous inquiétez pas, de toute façon, au fil du temps, on va avoir l'occasion de découvrir chaque histoire. Ça va être trop bien. Mais là, je voulais trop découvrir avec vous l'histoire de la triste mort du frère de Peter Jiggle, tout simplement, qui s'est fait avoir à la fin par le Evil Namnab, qui est toujours aussi stylé. Franchement, j'ai trop kiffé. J'espère que vous aussi, les amis, est-ce que vous appréciez les animations de SM Toons. Moi, comme je vous ai dit, plus j'en découvre avec vous et plus je kiffe, en fait. Je trouve qu'ils ont vraiment aussi un univers très ressemblant à Game Toons. C'est vraiment trop bien. Du coup, bah, les amis, n'hésitez pas à me dire si vous avez kiffé l'histoire. N'hésitez pas à laisser un like, abonnez-vous, activez la cloche notif. Et en plus, ça nous permet d'avoir des fois des petites histoires par rapport à Garten 7. Du coup, que demander de mieux? Bref, je vous retiens pas plus, les amis. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.